Bienvenue. Alors voilà, nous avons organisé un petit panel, trois panélistes. Il y a Gerakov, monsieur Alexandre Gerakov, Deola, et puis Sarik Bozok, il est petit-fils de Sarik Bozok, historique, du directeur de cabinet d'Atatürk. Il est aussi de la famille lointaine d'Atatürk. Alors, je laisse les panélistes à se présenter. Et puis, plus récemment, quand mes quatre grands-parents ont quitté la Russie à la fin de la guerre civile, ils sont arrivés à Constantinople, puisque la ville s'appelait ainsi à l'époque, et mon père était né à Mouyoukdelé, sur un bateau russe qui était stationné en face de la région d'été de l'ambassadeur russe. Et puis ensuite, j'ai eu l'occasion de m'intéresser à la Turquie plus récemment, puisque mon parrain, qui était russe et devenu turc, nous a invités en 1957. Il habitait, à l'époque, c'était à l'extérieur d'Istanbul, maintenant c'est devenu quartier d'Istanbul. Et puis je suis revenu en 1974, faire un stage d'HEC à l'époque, et j'ai visité le pays, et surtout j'ai eu, comment dire, en anglais, une affaire, avec une turque purement francophone, et tout à fait charmante. Et en revenant à Paris, je me suis dit qu'entre le pays, ses charmants contacts avec la population féminine locale et d'autres sujets m'ont conduit à m'intéresser à la Turquie. Et donc j'avais lu la remarquable biographie de Bonin Méchard, et donc j'ai publié une biographie d'Atatürk, et donc depuis je m'intéresse à ce personnage. Mon ouvrage a été réédité régulièrement, s'il était traduit, c'est le seul de mes ouvrages qui a été traduit en russe d'ailleurs, curieusement, alors que les autres qui concernent la Russie ne l'ont pas été. L'ouvrage a été également traduit en grec, en polonais et dans d'autres langues. J'ai été président du comité France-Turquie de 2000 à 2002. J'en profite pour saluer la présidente actuelle, Mme Limousin Lamotte, qui va organiser brillamment nos 70 ans le 3 décembre à la mairie du 16e. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas encore à vous inscrire. C'est gratuit et possible. Voilà, je vous ai dit l'essentiel. Après, on va passer. Un particulier qui me lie à la Turquie, bien que récemment on découvre des choses sur moi et des liens éventuels avec certaines personnes qui ont été des proches de Kemal, c'est une révélation pour moi. En tout cas, ce n'est pas ce qui m'a amené à m'intéresser à Kemal Atatürk. Moi, j'ai commencé, mon métier c'est auteur, j'écris des chansons, je suis musicien, je joue partout, en Afrique, en Europe, etc. J'ai travaillé avec de grands artistes que certains d'entre vous connaissent, peut-être Alpha Blondie, dans le reggae, j'ai travaillé dans les musiques modernes. Et puis, c'est le 20e siècle qui m'a conduit vers Kemal Atatürk. Pour moi, c'est une évidence intellectuelle d'arriver à penser que pour le monde aujourd'hui, le kémalisme, c'est quelque chose de fondamental. On va avoir l'occasion d'en discuter plus longuement ensemble, mais c'est mon point de vue. Voilà, je suis aussi l'auteur d'un livre que je ne dédicacerai pas ici parce qu'on a eu un problème de livraison et j'en suis désolé. C'est une bande dessinée que j'ai écrite qui s'appelle Le Père Turc, dont je suis le scénariste et le dialoguiste, qui raconte l'histoire d'un petit garçon aujourd'hui en France et qui a besoin d'une vieille dame pour lui expliquer qui il est et qui était Kemal Atatürk. Voilà, c'était une manière pour moi de remettre le kémalisme, la vie d'Atatürk, son combat dans les problématiques actuelles. Voilà, mais tout ça, on aura l'occasion d'en parler. En tout cas, moi, ce qui est essentiel pour moi, c'est que je suis content d'être ici parmi vous. Et j'habite en France depuis 50 ans, après avoir donc terminé mes études au lycée francophone d'Istanbul, le lycée de Galatasaray. Et puis, je me suis installé à Grenoble et j'y vis depuis 7 ans. Et mon grand-père était donc l'aide de camp d'Atatürk et son ami d'enfance et qui est resté son ami jusqu'à sa disparition. Mon père, c'est le fils aîné de Sarik Bozok, Cemil Bozok, qui est donc l'auteur de la première partie du livre sur les mémoires de Sarik Bozok et ses propres mémoires, et qui ont été éditées la première fois en 1985 et vite épuisées. Et moi, j'ai donc essayé de le rééditer. Enfin, ça a été enrichi
actualisé au sens où le langage a été simplifié. Et donc nous avons beaucoup travaillé à Istanbul avec mes amis de la fondation Atatürk et pour l'enrichir de certaines photos qui étaient en ma possession et aussi de quelques contributions, mes interviews dans certains journaux et de textes de présentation. Et sinon, bon, j'ai fait des études de sciences politiques et de sciences économiques. Je suis docteur en sciences économiques. Et j'ai enseigné donc en Algérie pendant 2 ans, à l'Institut national agronomique. Et puis depuis, j'ai enseigné en France. Et je suis actuellement, depuis 10 ans, retraité de l'éducation nationale. Et je remercie particulièrement donc les organisateurs de m'avoir invité en compagnie de mes chers amis et plus particulièrement donc Thomas Mebel d'avoir pris l'initiative de cette réunion. Elles sont naturellement liées à la guerre mondiale et à la guerre d'indépendance. Et elles aboutissent au traité de Lausanne et ensuite à la réforme, donc aux réformes que vous connaissez, la suppression du sultanat, l'établissement de la République et quelques temps après, la suppression du calife. Deuxième groupe de réformes, le siècle des Lumières. Et puis est arrivé Kiraï. Nous-mêmes, tous ceux qui sont animés de cette philosophie-là, ils ont été orphelins au XXe siècle. Parce que c'était tellement puissant le bolchevisme et le fascisme, ça a été tellement terrible qu'on a oublié qui on était vraiment. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, et c'est à ça qu'on doit travailler, toutes les réformes qui viennent d'être énoncées, moi, c'est là où j'ai un petit désaccord avec vous. Je ne pense pas que c'est l'opportunité. Différente par rapport à la question posée par notre ami Nazim Bey. Troisième groupe de... Et en turc, on qualifie donc toutes ces mutations profondes que Mustafa Kemal Atatürk a initiées en Turquie de la révolution kémaliste. Et donc, réforme aux révolutions, en fait, moi je ne suis pas linguiste, je ne suis pas ottomaniste, mais... comme à l'époque de ces réformes, la langue turque n'était pas encore donc, purifiée de ces mots ottomans, et on appelait donc ceux, comme d'ailleurs on qualifie par le même mot à l'époque. Moi je dirais plutôt plus circonstanciel, je ne sais pas si ce terme conviendrait bien que opportuniste encore, que le mot opportun se réfère aussi à quelque chose en Turquie, on parle. Pour la Révolution française aussi, on utilise le mot devrim, et qui est autre chose que donc, un peu plus modéré, je disais, que ihtilal. Et pour les réformes, pour les révolutions que Mustafa Kemal a initiées et a réalisées, et on utilise le mot devrim. Bon, ceci étant. Je n'ai qualifié ces réformes que pour le troisième temps, c'est-à-dire celle des années 30. Naturellement, et je le ferai absolument, c'est pas pour rien qu'il y a eu beaucoup d'auteurs français, que toute la pensée rationnelle ou rationaliste, même du 19e siècle, l'a beaucoup marqué, et ça c'est indubitable.